Il n'y avait pas vraiment de moment où j'ai commencé à me rendre compte que ça a changé ma vie, mais en un an, j'ai vécu les symptômes que je me suis rendu compte que, waouh, ça joue un gros rôle dans ma vie, puis j'avais aucune intention d'arrêter, puis regarde-moi aujourd'hui, tu sais. Pourquoi pas, man? On peut faire ça tout de suite. Hein? On fait ça tout de suite. Let's go. Merci. Quand même beaucoup de trafic, hein? Ouais. Hey, what's up, what's up? I don't know what kind of... Yeah, yeah, yeah. ...trickery you're gonna do right now. You're a good man. You don't look sketchy at all. You look so fucking sketchy, but I love it. Eric, it's my man here. Yeah, yeah, you so know. What happened? You no fucking doubt. Stopped working at SW? Yeah, yeah. I mean, I've been holding it down. Yeah, yeah. Oh my god. Yeah. These fucking jokes. It's gorgeous, though. Look at that. Every time, P.S., I saw nice your stuff. Lips. I saw on the wall your thing. Shit. It's fucking nice. Word. Always fresh. Word, always word. Fresh. Thanks, thanks. And that's the word. that's the word. Alright, nice to see you girls, nice huh? You easy, huh? Yeah, yeah. Je savais pas quand j'étais jeune que j'étais un artiste. Je savais pas que j'avais du potentiel. Je savais pas que j'allais devenir une bête comme ça. Je le savais pas parce que j'avais jamais démontré d'intérêt pour l'art ou pour le dessin. Aujourd'hui, je vais faire des couleurs très plates. Je vais faire un puissant noir et blanc. Hein, c'est vrai? Ouais. Comment ça? C'est une approche différente, là. C'est l'approche où tu vas pas utiliser les couleurs pour que ton graphe sorte plus et qu'il soit plus beau. Pour que les lecteurs aient le temps d'apprécier puis savourer le lettrage. Le nom de cette couleur, c'est Flaming Sword. A little teaspoon. Oh! Kill Bill style, bloody mess. Ouais, c'est. Je sais pas si le propriétaire va aimer ça, mais je suis curieux de savoir. Il y a beaucoup de monde qui peuvent plus arrêter de faire du graffiti parce que c'est rendu que tous leurs amis font partie de la communauté du graffiti et que leur sujet de conversation principal est le graffiti. Critiquer les graphes, comparer du graphe. Parler des graphes, de couleurs, de styles, etc. Quand tout ton cercle d'amis est dans ce domaine, dans cette subculture, c'est difficile d'en sortir. Oh! What up, hey, oh Ben! Qu'est-ce que t'as dans toi? L'Atlas du monde! On se tape-tu un petit voyage? Oui! Yo! Moi et Ben, on a fait beaucoup de mushrooms ensemble! Les campings dans la forêt! Yeah! 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 Oh! Alors, on a du Black Violet, du Crazy Plum. Un iceberg blue, light blue, pour l'outline. Puis de l'aubergine. C'est un peu comme du noir ou du violet foncé. C'est pas
La couleur, c'est aubergine. 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 Faudrait que je me mette à ma place, ma propre place. Place impact, cold train, relax, je m'échappe pour éclairer mes reins sales. Il est temps que je m'installe. Fuck le vibe néfaste, la ville qui dégage. Real estate de la salle dégueulasse. Laval, c'est de la marde. Laval, c'est de la marde. Des maisons cheap, pas cher, horrible. Il faut une toit solide, puis une place dans le garage pour mon motherfucking bolide. Une petite cuisine classe pour ma copine. Mégalomane, j'envisage les collines, salle de chillage pour accoler. Baby bounce, 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 baby bounce. Il y a du monde qui graffe juste pour le trip du vandalisme, pour briser, pour péter, pour être disrespectful. D'autres le font pour avoir leur nom partout, puis avoir un peu de fame, que tout le monde sache c'est qui, que ce soit dans la face du monde. Puis d'autres le font pour le côté artistique. Moi, je le fais pour ces trois raisons-là. Trop de choses dans les poches. Oh. Il y a eu plusieurs moments où j'ai affronté la mort faisant du graffiti. Et puis, pourquoi je continue, c'est parce que c'est l'adrénaline. Et sans cette adrénaline, je vois pas pourquoi je le referais. Et c'est pour ça que tout le monde a ce problème avec ça. Ils ne peuvent plus s'arrêter à cause de l'adrénaline. Ça donne un genre de buzz, tu sais. Trop de bêtises, faire ça professionnellement. L'autoroute des caries, elle est juste là, elle est à nous, elle nous appartient. Ça va prendre peut-être 5 minutes de se rendre, 10 minutes max à faire l'œuvre, pas plus que 10 minutes, sinon il faut partir. Tu peux faire ce que tu veux. Faut juste que tu le fasses. Yo, on le voyait très bien, là! Oui!
L'obsession puis la dépendance sur le graffiti est très intense. Je suis complètement obsédé, je peux pas arrêter d'y penser. Le matin quand je me réveille, quand je prends ma douche, quand je me rase, pendant que je suis en train d'entretenir une conversation avec quelqu'un, je vais halluciner des lettres devant moi. Je vais halluciner des typographies. Je suis obsédé, je pense juste à ça. Je pense que la première fois, la vraiment première fois, c'est j'avais ramassé une canette par terre, elle était encore pleine, puis je me suis amusé à écrire des affaires en dessous du pont à 13-14 ans. Ça fait déjà 10 ans de ça, et puis ça évolue encore jusqu'à aujourd'hui, 10 ans plus tard. Si je vais arrêter de faire du graffiti, ben non! Parce que ma vie aurait plus de signification après. Thank you.